Coucou tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Comment vous allez? Moi ça va plutôt bien. Bon, je viens juste de me laver les cheveux, donc là ils sont encore mouillés. J'ai mis un petit peu de gel, pourtant j'aime pas ça, mais c'est la seule chose qui me reste encore en produit coiffant. Tout le reste, je n'ai quasiment plus rien pour structurer, donc voilà. Girl, you should wear a name tag. Alors, je disais que c'est flou, non ça va, que ça dégorge plutôt joliment, je trouve. C'est vraiment, enfin moi je kiffe, j'adore. Ça me fait, alors sans le vouloir, un dégradé, un tie and dye, ou bref, vous donnerez le nom que vous voulez, mais je trouve ça super 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 joli parce que là du coup, et ben on a l'impression, on n'a pas l'impression que c'est décoloré, mais on a l'impression que c'est gris. Il y a ma chérie qui me regarde, là, qui est sur son tapis, qui regarde maman en train de se filmer. Sinon, la tenue, bon, alors c'est plus que basique. Un petit top qui est quand même, enfin, plutôt ouvert, oui et non. Là, qui est un peu ouvert sur les côtés avec un slim. Bonjour ma chérie, qui dit bonjour. On commence un nouveau vlog. Elle va mieux avoir le sourire, hein. Non, t'as pas envie, c'est pas grave. Alors, pour la tenue, elle a des chaussettes de Action. Un jean qui vient de chez Orchestra que j'avais acheté. Ça vient de Emmaüs. Si tu pouvais arrêter de faire ton verre de terre, ce serait bien. Au moins pendant que je montre ta tenue. Et le haut vient de je ne sais plus où. Mais c'est la dernière fois que je lui mets parce qu'on le voit au bras. Et puis même là, c'est une blouse 3 mois et elle est vraiment trop petite. Alors je suis dégoûtée parce qu'elle a un joli nœud là. Enfin elle est vraiment très 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 jolie. Mais bah, quand ça va plus, ça va plus. Hein, voilà, tout simplement. Donc voilà pour sa tenue. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. Bon, clairement, je vous ai rien filmé hier. Lundi, je vous ai filmé quelque chose. Hier, je vous ai rien filmé. Mardi, je crois que je vous ai rien filmé. Je sais plus. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi parce que, alors oui, la tenue, c'est une simple chemise en jean avec un legging en jean et puis basta. Les cheveux, je laisse les cheveux comme ça même si j'ai les racines qui sont grasses. Oula, mon dieu, c'est dégueulasse. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pour vous montrer comment je conditionne les portions de petits pots pour Lilou. Et j'aimerais avoir toutes vos astuces à vous. Parce que j'essaye voilà, de trouver de quelle façon conditionner ça sans acheter des petits pots exprès parce que ça coûte une blinde. Donc je vais vous montrer ça. Donc en fait une fois que j'ai fini la compote, ce que je fais c'est que j'ai trouvé, c'était des petits tubs que j'avais depuis longtemps que je n'utilisais pas parce qu'il n'y a pas de couvercle. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je m'arrêtais à la marque à l'intérieur, ça me faisait juste 120 grammes. Et ce qui fait ben, 2 repas, voilà, pour Lilou en ce moment. Donc, une fois que c'est prêt, je le mets dedans, voilà, comme ça. Et je le mets au congélateur, tout simplement pour que ça durcisse. Donc là, c'est congelé. Et une fois que c'est congelé, donc en général le lendemain, ce que je fais, c'est que je le sors, ça sort très bien. Et ça me fait des pavés, comme ça, voilà. Et en fait, eh ben, ces pavés-là, je les mets dans un sac congélation et je les range après dans des petits tubs comme ça, voilà, où je marque dessus ce que c'est. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est bien rangé, quoi. Mais donnez-moi vos astuces à vous. Voilà la princesse aujourd'hui. La tenue, moi, je trouvais que c'était très joli comme ça dans les beiges, dans les blancs, enfin dans les beiges, dans les gris et dans les blancs. Alors, grosso merdo, il y a en plus grande partie, en majeure partie, c'est du Action et il y a du Super U. Alors, les chaussettes viennent de chez Action. Je vous les ai montrées d'ailleurs dans un haul. Dans un haul, mais qui était inclus dans un vlog. Le pantalon,
Il vient, donc c'est le fameux pantalon qui vient, qui a été offert par une de mes tantes. Ça vient du Super U, c'est du 9 mois et je trouve que ça lui va bien. Faudrait un tout petit peu retrousser en bas. Mais il est très 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 joli avec les poches et ça ne focus pas ça. Voilà, avec les poches de côté et elle a le petit détail là, voilà. Elle a des pattes de chat ou je ne sais pas trop. C'est très 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 joli. Et alors le haut qu'elle a, c'est, ça fait partie d'un ensemble. C'est pareil, c'est du 6-9 mois et ça vient de chez Action. Et la petite fleur, le petit bandeau, bah, ça vient aussi de Action. Alors ça, vous le trouvez encore, hein, moi j'en ai encore vu récemment. Vous aviez un haut comme ça, un legging léopard et voilà le petit bonnet. C'est le bonnet qu'on lui met en ce moment et je le trouve mais tellement, tellement, tellement joli. Parce que bah, il y a les petites oreilles et en fait il redescend un peu derrière. Vous savez, c'est les bonnets un peu comme ça, un peu loose. Il est ultra fin, mais vu qu'il lui faut encore un petit bonnet là, vu le vent, bah, c'est juste parfait. Bon, je reviens rapidement avec Enzo pour ouvrir un colis parce que c'est un colis qui lui est destiné. C'est, moi je sais ce que c'est, je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà regardé. C'est en fait une marque qui lui demande de tester quelque chose, il sait aussi ce que c'est. Voilà, je vais le laisser quand même le découvrir et avoir tes premières impressions dessus. Donc c'est Decathlon, en partenariat avec le groupe, que Enzo teste un nouveau produit qui devrait sortir sur le marché, donc pour les enfants. Et il était vraiment limite parce que ben, vu qu'il a besoin de la taille S, voire M en haut, même des fois L. Là c'est du 14-15 ans, donc on va voir si ça va le faire ou pas. En gros, tu peux le montrer quand même, ouais. Je sais pas si on voit vraiment. C'est, le mieux c'est que tu l'essayes peut-être. Ouais. C'est peut-être le mieux. Bon, ah, il vient de l'essayer et c'est tout juste. Voilà. Une taille en dessous, je pense, ça aurait pas été possible. Mais ça le fait plutôt. Ouais, Alors la particularité, c'est aussi à l'arrière, il doit le tester pendant une semaine, pendant des séances de sport, il faut qu'on le lave, etc. Donc il va faire ça tout, tout bien, il remplira le questionnaire après de la marque. Et puis voilà. Bon, je vous reprends que maintenant, c'est-à-dire jeudi 3h30, où je suis peut-être floue. Voilà, parce que ben, tout simplement ce matin, ça a été ménage, 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 ménage. J'ai fait le ménage de tout le bas en totalité, poussière, sol, serpillière, etc. Et tous les sanitaires à fond, ça m'a pris 3 heures. Ah bon, la tenue, c'est un slim tout basique avec ma chemise bûcheron et je me suis fait deux tresses comme ça, voilà, parce que j'ai les cheveux hyper crades et j'étais pas motivée pour les laver. La princesse qui est réveillée de la sieste. Donc, on va y aller. Alors, elle a eu beaucoup de mal à s'endormir, mais elle a dormi 1h30. Donc, c'est plutôt bien. Le fiston, je sais pas ce qu'il fait, le fiston. Qu'est-ce que tu fais, Enzo? Ouais, bon, sur le PC. Voilà. C'est l'adolescent dans toute sa splendeur. Voilà. Sinon, la princesse. Ah ouais, ok. Elle est sortie de sa gigoteuse, comme tout le temps en ce moment. Elle me désespère. Et ma puce, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi t'es sortie de ta gigoteuse? Pas le droit. Ouais, tu sais que t'as pas le droit. Bon, ça c'est le moment que je préfère, définitivement, quand elle vient de se lever. Le câlin d'après la sieste, c'est, j'adore. Tu te vois dans le retour, tu te demandes ce que c'est. Pourquoi il y a une deuxième maman dans le retour? On est vendredi matin, il est 8h, je vais aller me recoucher, je crois que c'est mieux.
Donc bon bah le biberon de la petite, le petit déj, Enzo est en route pour l'école, mais moi j'y arrive vraiment pas ce matin. Vraiment pas. J'ai mal partout, j'ai la tête qui tourne, je suis KO. C'est alors rien de grave, hein, le fait que j'ai la tête qui tourne, les yeux qui brûlent et tout ça, c'est juste la fatigue. Parce que ça fait plusieurs soirs que je me couche, il est 23h, alors ça paraît super tôt et c'est super tôt pour certaines personnes. Mais je peux vous assurer que quand vous avez du mal à gérer vos journées avec un bébé, ouais, c'est tard. Là je commence à le sentir. Autant vous dire que le week-end de 3 jours, ça va être bénéfique, mais un truc de fou. Donc ce que je fais, c'est que là je stoppe directement. Je sais pas si je vous vloguerai encore autre chose ou pas, aucune idée. Et je filme coucher. Me recoucher le temps que Lilou finisse sa nuit, puisque elle a son biberon toujours entre 6h et 7h30. Et une fois qu'elle l'a fini, elle se rendort et elle termine sa nuit. Donc en général, il est 9 ou 10h quand elle se réveille. Donc je vais croiser les doigts et j'y vais. You down, and I know that I was not always around. I made you feel alone.